Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2, chers amis. Donc, nous sommes au Hackerspace et nous allons essayer de nous concentrer sur les missions principales. Pourquoi ça? Parce que j'aimerais passer à l'autre jeu aussi. Là, il y a Wildlands qui est sorti en bêta. J'y ai pas accès, j'ai la rage. J'aurais aimé avoir accès à cette bêta, je n'y ai pas. Et croyez-moi, ça me fait vraiment mal. Observez, parfait, c'est là qu'on va. Ok, parfait. Franchement, ça me fait vraiment mal. J'ai essayé de trouver des contacts pour leur demander si je pouvais avoir un accès pour la chaîne. J'ai pas réussi, que ce soit sur le site officiel ou via Ubi. J'ai demandé sur le support d'Ubi, ils ont pas pu me donner d'adresse. Puisqu'ils savent pas vraiment qui gère les bêtas dans le support. Ils savent comment gérer les problèmes de bêta, mais pas qui peut me filer une clé. Donc ils ont relayé l'information un peu plus haut, donc je vais en avoir une au dernier moment, mais jusque là je suis censé être en train de précharger le jeu, je ne le suis pas. Et eh bien écoutez, je n'ai aucune nouvelle information. Donc j'ai vraiment la haine. J'espère vraiment pouvoir pouvoir tourner de la bêta. Si c'est pas possible, eh bien écoutez, on attendra la sortie au mois de mars, au début mars. Et c'est vrai que ça fait dans longtemps pour moi, hein. Je trouve que... j'ai la haine, honnêtement j'ai la haine. J'aurais vraiment aimé... Trop tard, Marcus. Hop. C'est là qu'on tourne. Hop, j'aurais vraiment aimé pouvoir toucher à ce jeu qui, selon moi, va être une perle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et j'ai demandé à GamesPlanet s'ils avaient des clés pour la bêta. Ils n'en avaient pas. J'ai demandé s'il y avait des clés fournies. Voilà, non, c'est pas ça que je... Non suivi. Oh là, il y a des nouveaux trucs. Il y a eu une mise à jour du jeu, je crois. Putain, mais j'arrive pas à conduire correctement. C'est violent. Donc ils en avaient, il n'y a pas de clé fournie pour la bêta dans l'achat du jeu. Donc sinon ils m'auraient mis le jeu, vous savez, et j'aurais reçu la clé bêta. Donc il va falloir que je revoie tout ça avec eux. De toute façon, je vais pas me laisser abattre, chers amis. Je vais essayer de la voir. Si je l'ai pas, bah écoutez, tant pis. Je suis désolé, hein, j'aurais essayé, chers amis, j'aurais essayé. Boum, désolé. Pourquoi appeler les flics? Hop, voilà, je suis là où je voulais aller. Ok, donc on va se concentrer sur les quêtes principales et on verra la suite. Salut! Pourtant, moi qui espérais, vous savez, comme là je suis en train de jouer à Watch Dogs 2, qui est un jeu Ubisoft aussi, j'espérais que ça puisse tilter, mais non, pas du tout. Alors, c'est sympa ici? La bouffe est. Pas top. Bah pourquoi tu viens là alors? Ah, c'est pas la bouffe. T'as attaqué? J'arrive pas à savoir si elle pense que mon masque c'est sexe ou flippant. Les petits cœurs. Et il y a Alt 3 sinon pour les cœurs. Le principal du FBI se trouve dans l'immeuble d'Elums. Il nous faut absolument le reste des données. Et pourquoi? Parce que... Il y a quelque chose qui se passe là. Quelque chose de gros. Plusieurs hackers que je connais ont repéré des fourgons qui les suivaient. Bah, ce serait pas la première fois que le FBI essaie d'intimider les hackers. Certes. Rejoignez-nous ou mourrez. Pourquoi maintenant? Vu notre popularité actuelle, le timing est suspect. C'est pas faux. Tu lui fais vraiment confiance, Harry? Il a peut-être fait un deal. Non, mec, jamais de la vie. Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. On était complètement pété, hein, quand on l'a engagé, Ray. Peut-être que... Miranda peut nous aider. Peut-être. Je peux aller voir Miranda si tu veux. J'ai souvent une appli de chauffeur pour ses déplacements. Je vais voir si j'arrive à la choper. Je vous sers quelque chose? Non, moi je m'en vais. Mais je peux vous poser une question. Mm-hmm. Vous trouvez que le masque de mon pote c'est sexe ou flippant? Les deux. Oh! Tu prendras bien un autre café. Allez, à plus. Enfin. Ouais? Oh! Bonjour. Il m'en doit une, là, je suis désolé, il m'en doit une. Oh ma voiture a été réparée. Bon, par contre je me suis garé, je m'étais pas rendu compte que je m'étais garé aussi bien et aussi près. Mais écoutez, allons-y. Choisir la... Il faut... Hein? Observer. Choisir chauffeur de taxi dispo dans la... D'accord. «
T'es ici, c'est celle-là, non? Bon, on va la regarder dans le téléphone. Driver SF. Chauffeur de taxi dispo. Conduire le véhicule adéquat pour récupérer Miranda. Oh bah ça si... What? Qu'est-ce qui vient d'arriver à la physique du jeu? La physique du jeu vient de péter une durite. Ouh là 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 là. La conduite est toujours aussi particulière dans ce jeu. Ok, on est bon. Ah bah assez, d'accord. Il faut que je... Ah d'accord, c'est que les voitures à aileron pour Miranda. Ok, pourquoi pas si tu veux. Ok. Ouh. Moi qui pensais que les politiciens miseraient plutôt sur une voiture électrique. Ne pas casser la voiture. 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 Ne pas hein Marcus, fais gaffe. Ok, on est bon. On est plutôt bon, chers amis. Crac. Wouhou. Boost de vitesse, comme dirait Lucio. Oh, le coup de frein. Digne du maître. Hop, je veux pas trop sauter la voiture, je veux pas... Ah putain, je crois que j'ai touché. Par contre, elle tremble... Oh là 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 là, la physique du jeu, mais faites gaffe, chers amis, faites gaffe. Contourne l'obstacle, vite. Contourne l'obstacle. What? C'est quoi ce bordel? Bon bah la suite alors, hein. Oh mon dieu, Miranda est un écran noir. Non, Miranda, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là 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 là, les cinématiques qui laguent. C'est fou. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour Miranda. Oh, je me fais juste un petit peu d'argent de poche. J'hallucine. Où je vous emmène? Je vais rendre visite à ma mère. Mais c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que le jeu lag dans les cinématiques? C'est débile. Surtout après une demi-heure de chargement en écran noir. Et regardez là, c'est fluide. Bon, c'est aussi fluide que possible, hein, mais... On veut contre-attaquer, mais j'ai pas pu obtenir toutes les données. Il faut que j'accède à leur bureau d'Auckland. Vous prenez de très gros risques, Marcus. Ouais. Oui, je sais. C'est pour ça que vous vous faites passer pour mon chauffeur. Vous pensez que les fédéraux me surveillent aussi? Vous aussi, non? Vous vouliez pas me dire d'où venaient vraiment ces photos? Je Certes. Juste preuve de prudence. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous parler en personne. Marcus, je n'ai pas oui envie de vous faire la leçon. Oui. Mais lorsqu'un jeune homme découvre qu'il est recherché par le FBI, il devrait probablement reconsidérer la manière de gérer sa vie. Non. C'est un bon conseil. Et particulièrement un jeune homme de couleur. Quoi? Parfait. Le FBI est raciste? Pas clair. Dites, comment vous avez eu ces photos de nous dans le bar? Disons que j'ai... Le FBI est raciste, ok. Et la source, elle a autre chose que je devrais savoir? Les fédéraux font la chasse aux hackers. Le FBI, le président, c'est Donald Trump. Même si tu me diras, le président des États-Unis maintenant c'est Donald Trump. Pourquoi? Ils veulent donc, le contrôler. Il est un peu le président d'un peu. What? Ils ne veulent pas avoir de concurrence. D'accord. Donc en gros, on n'est même pas choisi comme étant les meilleurs. Ils vont mais pour neutraliser DedSec et eux non plus ne plaisantent pas. Ok. Et n'empêche, j'ai bien conduit. Je veux pas dire. Je pense que j'ai même très très bien conduit personnellement. Encore un écran noir de 10 minutes, chers amis. Oui, il n'y a pas de temps de chargement, bien sûr, dans le jeu. Donc, non, mais c'est ça, en fait, l'argument. L'argument des écrans noirs, c'est... Il n'y a pas de temps de chargement dans le jeu. Le bureau du FBI, j'ai un ami qui peut vous aider. Mais vous devrez utiliser la procédure Moscou. C'est quoi, cette procédure? Il y a une vieille cabine téléphonique devant l'immeuble d'Elums. Décrochez, identifiez-vous comme Fred et enregistrez le signal. C'est n'importe quoi. Je vais vous laisser une éval de merde sur Driver. Ah, c'est bon ça. Mission accomplie. Ok, la suite. Bon, je coupe le moteur en attendant. La suite. Voilà. Accéder au tour d'Elums. Allez! Putain. Merde, j'aurais même dû me TP dessus. Crac. Je peux peut-être pas me TP droit dessus, je peux me TP là, cela dit. Au café! Chargement! Bon, c'est normal, c'est un chargement, mais c'est que un déplacement rapide, chers amis.
Faut trouver des excuses. Mais non, non, mais c'est un bon jeu, mais alors oui, il y a des problèmes d'optimisation, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je lui demande de la 4K? C'est possible. Je le ferai pas avec Wildlands, hein, mais apparemment, enfin, Wildlands comme celui-ci, je le fais tourner à fond sans souci, hein, normalement, hein, je précise. Mais là, ouais, peut-être que la 4K n'est pas considérée comme une version recommandée, faut pas que je supprime les textures 4K, on verra. Si c'est ça, si c'est vraiment ça, bah dis donc. Calmez-vous. Elle va tomber, voilà. Bonjour, j'aimerais passer un coup de téléphone. Allô? 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 C'est Fred. Un vrai serait que le micro se trouve en fait en bas, en dessous du... Super, ça marche bien. Oh putain! Et ça vous arrive pas de décrocher en vrai le téléphone? D'attendre 10 secondes et voir. Goodbye! Ça m'est arrivé hier. Ma moto! Y'a un voleur de moto! Putain! Allons-y, je traverse! Ah! T'es qui toi? Je t'ai vu faire un truc bizarre. Ok. Fédéral Building. Donc c'est un fédéral bureau of investigation, hein. Oh, oh oui, oh non, je croyais que je pouvais rentrer. Bonjour. Toc toc. Qui est là? C'est moi. C'est qui? Moi. Qui? Moi. Sésame, ouvre-toi. J'ai pas vraiment la gueule d'un mec du FBI. Je le sens mal. Je marche comme si je faisais partie de leur groupe, hein. Oh, j'aurais dû suivre leur groupe sur Facebook. J'aurais dû. Et merde. Atteindre l'étage du FBI. Susceptible de nous mener à leur point d'observation. Dis-moi où je peux les trouver. Et c'est ça le problème. Ils sont là, ces enfoirés. On dirait qu'ils ont splitté les données. Du coup, je sais pas quel serveur pirater. Ah bah super. Merci d'avoir attendu que je sois à l'intérieur pour me révéler ce petit détail. Il y a une antenne sur le toit. Essaie de placer un émetteur dessus. Si j'arrive à identifier les données en entrée, je devrais pouvoir retrouver le bon serveur. Ok, pas de soucis. Monter sur le toit, placer un émetteur. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Ok, il y a des gens partout. Mais eux n'ont pas l'air méchants. Hop, ok, on a réussi à passer. Quadricoptère. Oh. Oh. C'est une arène. On va se faire pécho, chers amis. Merci pour ton argent. Bon, c'est pas grave. Hop. Par là, il serait pas monté. Par là, il va monter, par contre, vous allez voir. Hop, les. Hop, les. Mais pourquoi mettre une échelle, chers amis? Ah bah, il y en avait une. Merde, je suis con. Terminer la passerelle réseau. Écoute si tu veux. Nye. Hop.
Ok, c'est parti. Ok, je fais ça en 2 secondes. Perds pas de temps à admirer la vue alors. Là, il y a un relais. Ah, là j'ai un problème apparemment. Ok. C'est bon. Là aussi. Ok, je suis en train d'essayer de réfléchir. Là, j'ai bon. Et là, j'ai tout. Ok, c'est bon. Et où est-ce que c'est censé être? Là. Ok, bah c'était pas si dur en fait. Placer l'antenne sur l'émetteur. Oui, bah écoute, je m'occupe de ça tout de suite. Merci. Pip, je pénètre. Pip, va et viens, je suis ressorti. Je suis venu. J'ai vu. J'ai vaincu. Oh, je suis pas pressé. Je suis juste sur le toit du FBI. C'est bon. Ok. Je te l'ai indiqué sur ta carte. Ok. Ça se passe assez bien. Bonjour. Hey, copain, t'es perdu ? Non, tout va bien. On veut pas de hacker ici. Je me barre. Bah si! Si tu balances! What the... Putain, il vient! Chut! Vous avez entendu? Ok. Y'a quand même un mec qui avait entendu l'alarme, je veux pas dire. Ok, je vais pouvoir la pirater... Oh merde. J'allais dire, j'allais pouvoir la pirater de là. Mais il semblerait que non. Les données de surveillance indiquent que le membre de Dead Sex Range n'est pas à l'aise en présence de représentantes du sexe opposé et qu'il utilise son masque comme protection. Une analyse psychologique fait état d'une enfance à problème, aggravée par une possible timidité maladive. Oui, effectivement, parce qu'elle l'est en fait, voilà pourquoi. Alors, il va me falloir une planque, sachant que j'en ai pas. Il va me falloir une planque, sachant que je n'en ai pas, véritablement. Hormis celle-ci. Ok, bon bah on y va, hein. Ok. Haha, c'est à peine montré, hein, je veux pas dire, chers amis, mais... Regardez ça. Les combles! Ok, cool. Alors, en vrai... Le sol est suffisamment... comment dire... Suffisamment particulier pour... Bon, pas là. Mais sur le truc, les petites plaquettes, là. Suffisamment léger pour qu'on entende absolument tout. Pourriture. D'accord. Personne dans le coin pour le moment.
on est plus ou moins bon. Ah bon? Ok, je suis bon. Pourquoi fallait que j'aille là? Où elle est la fille à hacker? Oula. Oh merde! Oh merde! J'aurais jamais pensé que je serais déjà hors de portée. Quoi? C'est nouveau lui! Elle, pardon. On en est où dans l'épisode? Je regarde juste un truc. Hop, 20 minutes, on a encore 5 minutes pour faire la mission. Pourquoi pas? C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux comme place. Je vais essayer de me mettre là. Ok, on reprend le drone. Putain, c'est un cul-de-sac. Merde. Du coup, j'ai... Oh la vache, il me le repose juste devant le nez. Genre sérieux. Wow. On a approché de quelques mètres, c'est déjà ça. Hop. Aïe, je me suis cogné. Ok. On a approché de quelques mètres, on verra. Si oui ou non ce sont les mètres qui nous permettront d'y arriver. Ok. Ok, ok. On est plus ou moins bon. Là, j'ai qu'un seul chemin. Voilà, je suis bon. Merde! Oh merde, elle m'a vu! Je suis grillé. Merde! Jette ton arme, mais je... Boum. J'ai déjà fait ce truc là, mais oui. Surveillance indique que le membre de Dead Sec Range n'est pas à l'aise en présence de représentants du sexe opposé et qu'il bon. Utilise son masque comme protection. Une analyse psychologique fait état d'une enfance à problème, aggravée par une possible timidité maladive. Timidité maladive. Par conséquent, un masque programmé pour refléter son état émotionnel, à la manière d'un panneau électronique. Dans l'environnement oui. au sein duquel le sujet opère, cette oui. solution est considérée ingénieuse. Bah oui. Putain, il s'est relevé. L'avantage, pour nous, c'est qu'on va pouvoir le hacker plus facilement. Faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Merci! Hop. Ah, faut que j'y aille. Ah, c'est moins drôle. C'est
C'est moins drôle d'un coup. Hop, vas-y, c'est bon, on y est. Ok. J'adore ce truc quand il accélère. Hop, allons-y. Bah on est bon, on a réussi chers amis. Je sais pas si c'est en 5 minutes, mais on a réussi. Encore des trucs sur nous. Putain, c'est ouf. Profil, empreinte digitale. Citara a été virée du lycée pour avoir mis un truc dans le café du proviseur. Merde. Quitter les locaux. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous voyez l'avantage ? Retire-toi, vite, vite ! Ouais, mais on n'a pas l'adresse. T'inquiète, j'ai une fréquence. Go ! Bon, oui, je pouvais pas rentrer chez le, dans le, chez le FBI comme ça. Les mecs du FBI vont attendre. M'attendre ? J'aimerais bien sortir par là. C'est qu'une lumière. Malheureusement, c'est qu'une lumière. Bon, je vois personne. Ah si, je vois des gens. Merde. Aïe, 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 aïe. Ah, bla. J'ai essayé. Je voulais pas tuer les gens du FBI. Bon, dis le mec qu'on a tué 3 déjà. Ah bah personnellement, si vous m'avez déjà oublié. Quoi ? Bah écoute C'est pour la blague. C'est juste pour la blague. Ils sauront jamais que c'est moi. Merci pour ton argent. Ah, c'est l'heure de la fuite. Ok. Vous m'avez perdu. Je suis libre. Je suis libre. Oh, il y a un concessionnaire auto. Aïe. Concessionnaire ? Ah oui, Total Motors. Ok, bon. Bah finalement Je suis sorti, mais putain, ce fail. J'ai rien trouvé. Ah merde, je croyais que je pouvais. Ah, je voulais qu'il fasse. Du coup, il n'y a plus qu'à faire une triangulation et on saura où elle est. Ah, ok. L'émetteur qu'on a mis en haut de l'immeuble, c'est le premier point. Yep. Ouais. J'ai localisé 2 autres antennes pour compléter le triangle. Moi, je m'occupe d'une. Toi, tu fais l'autre, ok? Je t'indique ça sur la carte. Ok, merci. Atteindre l'antenne. Allez, ça y est. Putain, il met une demi-heure à charger le. Ok, nous on va se téléporter là et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!